des anciens combattants d'Algérie par Monsieur Combo, représentant le président départemental. Bonjour. En ce jour, 59e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, le 19 mars 1962, souvenons-nous, unis dans l'épreuve, meurtris par une guerre qui a détruit leur corps et troublé les esprits, les anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie honorent la mémoire de leurs 30 000 frères d'armes, mort pour la France. Dans la simplicité et le recueillement d'une cérémonie empreinte d'émotion, ils affirment leur détermination ne jamais oublier. Se souvenir et faire prendre conscience du drame qui s'est déroulé de l'autre côté de la Méditerranée, dans ce pays inondé de soleil. Se souvenir de cette douloureuse page de notre histoire commune dont les plaies sont encore vives en France et en Algérie. C'est savoir y puiser les leçons pour prémunir les jeunes et futures générations de l'âpreté des guerres et de la misère. C'est agir pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel dont dépend l'avenir de l'humanité. Nous exprimons notre reconnaissance aux personnalités civiles et militaires présentes à nos côtés et déterminées à transmettre les valeurs du monde combattant auxquelles elles sont très attachées. Leur soutien nous encourage à poursuivre nos travaux mémoriels en partenariat avec des personnalités d'origine et milieux très divers. Nous affirmons ainsi notre volonté de contribuer à tisser le fil conducteur de l'histoire pour une écriture des vérités sur la guerre d'Algérie et leur enseignement dès l'école pour mieux les appréhender. C'est aussi exprimer notre volonté de réconciliation et de paix. Notre vécu ne saurait nous laisser indifférents du temps présent. Aujourd'hui, les enfants de France, dont certains sont proches de nous, sont engagés à plusieurs théâtres d'opérations extérieures. Nous saluons l'engagement de ces forces vives du monde combattant. Nous honorons la mémoire de nos jeunes frères d'armes dont la disparition doit nous incliner un devoir de vigilance. Ensemble, veillons à tisser et à préserver ce lien intergénérationnel si précieux afin de se faire entendre pour un avenir de paix. Merci.